Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Merci beaucoup Jean Goubal. Merci Jean Goubal. Mesdames et messieurs, nous sommes tout à fait en direct. Nous avons, heureusement que nous étions en direct, nous avons les membres du gouvernement qui viennent d'avoir une importante réunion. Excellences, leurs excellences, messieurs les ministres, nous vous laissons la parole. La population vous regarde et nous vous écoutons. Bonsoir, chers compatriotes. Nous avions préparé ce plateau pour continuer la campagne de mobilisation en soutien à nos forces armées qui sont en opération dans les Nord Kivu, dans l'Ituri. Excellent, s'il vous plaît, je préfère ça, c'était votre micro qui était réservé uniquement pour vous. Voilà. Voilà, je vais le tenir. Merci. Ouais. Je disais donc bonsoir, chers compatriotes. Nous avions préparé ce plateau pour faire suite à la campagne que nous avions commencée le week-end passé en soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais il se trouve qu'une situation urgente est arrivée ce soir et donc nous n'étions pas en mesure de le faire parce que la situation nécessite davantage de solidarité, de mobilisation. Vous avez tous suivi en début de soirée que la ville de Goma a connu une éruption volcanique. Le volcan Nyiragongo a fait une coulée de lave. Face à cette situation, à la panique observée, le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni une réunion de crise avec tous les ministres qui sont à côté de moi. Au cours de cette réunion, le Premier ministre, nous avions fait l'évaluation de la situation sur place et nous avions échangé avec le gouverneur Constant Dima, qui a pris les choses en main. Nous avons échangé avec la direction de l'Observatoire de la vulcanologie. Nous avions analysé toutes les situations et nous avons décidé, sous la direction du Premier ministre, que mieux vaut prévenir que guérir, le plan de contingence, pour dire le plan d'évacuation de la ville de Goma, a été lancé et tous les services sont mobilisés quant à ceux. Pour ceux qui vivent dans la ville de Goma, ils savent ce que veut dire un plan de contingence parce que c'est une ville qui a déjà connu une situation de ce genre et nous espérons que les mesures qui ont été prises ce soir dans ce sens permettront aux populations de rejoindre le point qui leur a été indiqué dans ces plans. Pour ce qui concerne le gouvernement, de mesures urgentes ont été prises. Vous avez vu à ma droite, il y a le ministre de la Solidarité des Affaires Humanitaires. Dès demain, le gouvernement s'activera à mettre en place des mécanismes qui permettront d'intervenir. La MONUSCO a été mise à contribution pour appuyer les efforts de nos forces armées, de la police et de toutes les personnes qui sont mobilisées à ces instants à Goma. Nous voulons donc vous inviter à suivre les communications officielles qui viendront soit du gouverneur militaire dans le Nord Kivu, soit de votre gouvernement qui suit la question heure par heure. Il faut éviter, au-delà de cette situation qui est extrêmement grave, de vous laisser embarquer par tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous allons faire de notre mieux pour vous donner les informations à temps réel. Et donc, tout ce que nous voulons vous demander ce soir, à vous qui nous suivez, parce que malheureusement une partie de Goma est dans le noir, mais ils ont de membres de famille ici à Kinshasa, nous voulons vous rassurer que votre gouvernement, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, fera de son mieux
pour que la situation qui arrive puisse être totalement prise en charge et de la meilleure manière. Donc nous allons revenir dans le meilleur délai pour communiquer et pour vous dire ce que nous devons tous comme compatriotes avoir comme attitude durant cette épreuve qui nous frappe tous. Pour ce qui concerne la campagne Bendele Kouyaté que nous avons lancée, c'est aussi dans ces cadres que nous voulons que le Congolais se mobilise pour que nous ayons un œil plus solidaire et une attitude plus solidaire à nos compatriotes de cette partie du pays. Nous voulons vous remercier pour la confiance que vous placez en nous. Nous voulons vous assurer que le président Félix-Antoine Tshisekedi suit personnellement la situation heure par heure et c'est pour ça que vous nous voyez mobilisés ce soir. Nous laisserons encore après ces passages parce qu'il est question pour nous de suivre et de vous informer en temps réel. Voilà, Zachary Bababassoué, tous nos téléspectateurs, le sens de la petite communication de ce soir. Nous y reviendrons avec détail, mais nous ne saurons terminer sans remercier la fondation Kemecha qui a suivi la campagne que le Premier ministre a lancée il y a quelques jours et qui a pu mobiliser 110 000 dollars pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans les prochains jours, nous organiserons un moment où, de manière officielle, vous allez voir ceux qui ont voulu répondre à cet appel. Nous reviendrons encore, s'il faut, un appel de solidarité pour nos populations du Nord Kivu. Nous vous remercions encore pour la confiance. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur le Ministre. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais.